Je me suis dit, on avait le temps, donc on pouvait prendre le temps pour prier. Vous avez vos Bibles? Nous allons rendre le diable furieux, gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons la brandir en haut et nous allons faire notre confession de foi, gloire à Dieu. Vous êtes prêts, l'Église? Dites ceci à ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je suis sur le point de recevoir la semence incorruptible, indestructible, parole de Dieu. Mes pensées sont alertées, mes oreilles sont ouvertes, mon cœur est réceptif. Dans le nom de Jésus, ma vie ne sera jamais, jamais, jamais la même. Hallelujah. Gloire à Dieu. J'aimerais pousser quelques minutes. Waouh, quelle réunion dimanche dernier. Gloire à Dieu. Pasteur Jean-Pierre était sur le feu. Waouh, j'étais vraiment béni en regardant le message. Au fait, comment je pourrais dire cela? Ce que je suis sur le point de partager avec vous, ça fait un bon bout de temps que j'ai... Comme vous savez tous maintenant, il y a un moment dans notre cheminement avec le Seigneur que des fois, beaucoup de fois, je m'arrête et je fais un temps de réflexion. Et je dis souvent, vous tous que vous lisez le livre de Psaume, vous savez pourquoi il y a le mot pause? Beaucoup m'ont dit parce que c'était des chants, mais plus profondément, pourquoi il y avait des pauses? En d'autres mots, il te dit arrête-toi et réfléchis un peu. Vous savez, je dis souvent cela, mais j'aimerais le réitérer. Ce n'est pas un péché de réfléchir. Je vais refaire ma phrase. Je dis, ce n'est pas un péché de réfléchir. De temps en temps, toi et moi, on doit faire une pause et réfléchir un peu. Et pendant que j'étais dans cette réflexion, il y a un mot qui m'est survenu comme ça. Et pendant que j'étais en train de discuter, vous savez, lors de la fête de l'église, on discutait. Et il y avait un frère avec qui je discutais, j'étais en train de lui ouvrir mon cœur et partager mon cœur. Il me regarde, il me dit, Pasteur Samet, tu devrais peut-être faire une conférence dessus. Je dis, waouh, c'est un peu grand ce que tu me dis là. Et je me suis dit, lorsque j'ai eu l'opportunité de partager la parole de Dieu avec vous ce matin, je me suis dit, pourquoi pas commencer à vous partager vraiment. Et vous savez, ce que j'aime avec Dieu, c'est que lorsqu'il commence à s'ouvrir à toi et à te montrer certaines choses, tu ne dois pas t'arrêter avec ce qu'il t'a montré, tu dois creuser. Je dis, quand Dieu te montre quelque chose, tu ne dois pas t'arrêter avec le fait, ce qu'il t'a montré, tu dois creuser. Quelqu'un dit creuse. Et tu sais, c'est peut-être une des choses que chacun d'entre nous, on se demande. Et les questions telles que, qu'en est-il de la chrétienté du 21e siècle? Des questions du genre comme ça m'est venue. Parce que moi, vous savez, j'ai été sauvé dans la vague des années 90. Je veux dire, quand j'étais sauvé, pour moi, c'était une bande de fous furieux qui étaient dans l'église. Et bien sûr, après cela, il y a beaucoup de choses qui se sont produites. Mais le problème, c'est que j'ai remarqué que nous, êtres humains, on peut faire 1000 bonnes choses, on fait qu'une chose pas bon, les gens vont se focaliser sur la mauvaise chose au lieu de se focaliser sur les 1000 bonnes choses qu'on a fait. Et sans nous rendre compte que nous, l'Église, on a adopté cette mentalité parce qu'il y a eu des problèmes dans le passé, dans ce domaine-là. Donc, on ne va pas rentrer dedans, on va le laisser là-bas, on ne va pas s'en occuper, parce que ça cause trop de désordre. Vous savez, quand j'ai eu mon premier enfant, Jonathan, quand je le portais, ça commençait à sentir pas bon. Je n'ai pas ouvert la fenêtre, je l'ai balancé par la fenêtre. Non, je l'ai amené, je lui ai mis sur la table, enlevé la couche, nettoyé, mais faire ce qu'il faut, prendre la couche et poubelle. Et quand était la fin de la journée?
Lorsqu'il avait transpiré, il avait mangé, barbouillé partout. Je ne l'ai pas pris balancé par la fenêtre non plus. Ce que j'ai fait, je lui ai donné une bonne douche. L'eau sale, je l'ai jetée et c'est parti dans les égouts. Le problème avec nous, c'est que nous balançons tout aux égouts. Et ce mot qui m'est venu, c'est le mot essentiel. Quelqu'un dit l'essentiel. Oui, dis-le trois fois. Et vous savez tous que j'aime bien faire des jeux de mots. Et je me suis dit, dans ce mot essentiel, nous voyons l'essence et le mot ciel. Ce qui veut dire que l'essence du ciel. Et là, j'ai commencé à méditer dessus. Quelles étaient les choses qui étaient essentielles pour papa? Et certainement, beaucoup d'entre nous, nous avons des priorités. N'est-ce pas? Je me trompe? Mais ma question serait, quelles étaient les priorités de mon père? Alors vous posez cette question. Est-ce que vous vous êtes arrêté un de ces quatre? Vous êtes né, vous savez que vous êtes supposé d'avoir une vision, construire votre vie, et blablabla, bla bla, et ainsi de suite. Mais je parle qu'une fois de s'arrêter et demander à Dieu, « Père, quelles sont les choses qui sont essentielles pour toi ?» C'est une bonne question, n'est-ce pas? Et ça ne devrait pas rester juste une question. Et j'ai pris le temps, j'ai regardé la définition du mot « l'essentiel ». La définition donne, selon Larousse, qui est la partie la plus importante. Quelqu'un dit la partie la plus importante. Qui est un élément nécessaire, indispensable. Trois choses que je ressens, qui ressortent très fortement dans ce mot, l'essentiel. Premièrement, nous avons important, quelqu'un dit important. Deuxièmement, nous avons nécessaire, quelqu'un dit nécessaire. Et troisièmement, nous avons indispensable. Est-ce que ça cogite? Important veut dire que c'est quelque chose que tu ne peux pas t'en passer. Nécessaire veut dire que si tu n'as pas ça, c'est fichu pour toi. Indispensable veut dire que tu ne peux rien sans ça. Quelqu'un dit important, nécessaire, indispensable. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous poser quelques questions. Et bien sûr, vous n'êtes pas supposé de me répondre. J'aimerais tous ici, ceux qui écoutent à la maison, j'aimerais que vous répondiez de votre cœur à votre Père. Premièrement, avant de commencer, peut-être que vous êtes un nouveau croyant. Et peut-être que vous êtes sauvé depuis longtemps. J'aimerais juste énumérer ces questions. Êtes-vous en train de vivre une vie chrétienne victorieuse? Avez-vous grandi spirituellement? Êtes-vous plus proche de Dieu que vous l'étiez depuis votre conversion? Passez-vous du temps régulièrement dans sa présence? Lisiez-vous, étudiez-vous, méditez-vous la parole de Dieu régulièrement. Vivez-vous une vie d'obéissance et totalement soumise à Dieu. Avez-vous grandi dans votre marche d'amour? Vous rappelez la petite pause que je vous ai dit? C'est le moment qu'on le fait. Je ne parle pas de porter notre costume du dimanche et mettre notre masque, parce que nous, je vais vous dire, on est des bons comédiens à l'église. Et ce matin, je pense que Dieu veut qu'on enlève le masque, quelqu'un dit enlève le masque, et qu'on soit réel. On peut faire ça ce matin? Nous avons prêché pendant des décennies que le plus important, donne ta vie à Jésus et tu reçois le ticket pour aller au ciel.
Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est que le début d'une aventure en Dieu. Et tout ce que nous avons dans l'Église aujourd'hui, nous avons une bande de personnes qui ont converti, qui ont donné leur vie, ils ont fait la prière du salut, mais le problème, c'est qu'ils vivent toujours comme des gens du monde. On prétend l'identité, mais ayant une autre nature. Est-ce que la Bible ment? Est-ce que Dieu ment? Laissez-moi vous dire, quand je n'aurai pas le temps de tout partager, ce que Dieu était en train de me partager ces derniers temps. Je veux vous dire, tout ce que je me suis vu faire, vous savez quoi? À genoux, je n'avais même pas le courage de me lever la tête. J'étais à genoux, la tête sur le sol, et de dire pardon. Pardon, pardon. J'aimerais vous dire, si vous ne pouvez pas répondre un oui à toutes ces questions qui ont été posées, si vous ne pouvez pas dire oui, papa, vous devriez peut-être faire une pause et réévaluer votre engagement envers votre Dieu. Vous devriez peut-être faire une pause et réévaluer votre soi-disant, excusez-moi l'expression, conversion. Parce que ce genre de message n'est plus prêché dans l'Église de nos jours. Nous vivons au 21e siècle, tout ce que les gens veulent, oh, Dieu va me bénir. Si tu fais ça, Dieu te donne B. Si tu fais Z, Dieu te donne R. Si tu fais ci, tu fais ça. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans l'Église? Une bande de personnes qui sont en train de courir derrière des bénédictions juste parce qu'ils ne reçoivent pas la bénédiction, ils boudent, ils font la gueule et ils ne viennent pas à l'Église. Oubliant qu'avant tout, ce n'était même pas une histoire de bénédiction. C'était une histoire d'amour. Oh mon Dieu. C'était une histoire d'amour. Tout a commencé avec l'amour. L'amour qu'il éprouvait pour toi et moi. Nous étions voués, damnés pour le feu éternel. La compassion qui l'y a ému, il a accepté d'envoyer le seul et unique pour payer le prix, pour que toi et moi, nous soyons réconciliés avec lui. Et nous osons donc le courage aujourd'hui de dire ça, je veux bien, mais ça, je ne veux pas. J'aimerais juste te donner une petite réflexion. Tu sais que tu obéis pas. Tu crois que ça change Dieu? Qui a des problèmes selon toi? Qui a besoin de plus de son prochain que l'autre? Et peut-être ce que je suis sur le point de partager avec vous, vous me dites, oh Sam, je croyais, quelle révélation. J'aimerais vous dire quelque chose que Pierre a dit. Deuxième épître de Pierre, le chapitre 1er. Pierre a dit à son auditoire, il a dit, écoute, c'est pas néfaste, c'est pas mauvais pour vous que moi je répète les mêmes choses. La répétition n'est pas un péché dans le royaume de Dieu. Je dis, la répétition n'est pas un péché dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous avez lu Romains, le chapitre 10, le verset 17? Oui? Tout le monde peut le citer par cœur, oui ou non? La foi vient de ce qu'on entend vient de là. Vous savez comment toi et moi on lit ce verset? La foi vient de ce qu'on avait entendu. Il n'a jamais dit la foi vient de ce qu'on avait entendu. Oh, pasteur, je l'ai entendu, énième fois je l'entends. Ah ah, mais parce que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, parce que c'est un présent continuel. D'autres questions que j'aimerais vous poser. Ces années à venir seront-elles passées à cultiver des saintes habitudes ou bien à semer des schémas destructifs? Ces années à venir qui sont devant vous, bien sûr, nous ne pouvons rien faire du passé. Et le présent, nous y sommes. La seule capacité que Dieu nous a donnée, c'est pouvoir changer notre demain en commençant aujourd'hui.
Je dis, la seule capacité que Dieu nous a donnée, c'est de changer notre demain en commençant aujourd'hui. J'aimerais vous poser cette question. Ces années à venir, ces années qui vous attendent, ce peu de temps, ce laps de temps que Dieu a libéré dans votre vie, qu'allez-vous faire? Seront-elles des années de croissance dans la dépendance et dans l'obéissance au Seigneur, ou bien des années de frustration et de stérilité? Qu'allez-vous faire? Je vous pose cette question. Qu'allez-vous faire? Ne me répondez pas, répondez à Dieu. Qu'allez-vous faire, bien-aimé? Je ne sais pas pour vous. J'ai envie que ma vie change. Moi, j'ai envie que ma vie soit un témoignage. Premièrement, pas pour le monde. Premièrement, pour mon épouse et mes enfants. Ça, c'est mon premier témoignage. Si j'ai gagné cette bataille, je suis victorieux, gloire à Dieu. Ensuite, vient mon témoignage par la suite. Mais sinon, mon premier combat, c'est d'être un bon témoignage. Dieu est en train de me dire, Sam, si tu veux enseigner tes enfants la prière, ils doivent te voir sur tes genoux. Si tu veux enseigner tes enfants la lecture et l'étude de la parole, ils doivent te voir lié à la parole et étudier la parole. C'est pour ça que je vous dis, j'étais à genoux, la tête baissée, je ne pouvais que dire pardon, pardon, pardon. J'ai découvert que les enfants ne font pas ce que vous leur dites de faire. Ils font ce que vous faites. Si vous n'avez pas encore compris ça, on n'a rien compris. Donc j'aimerais juste vous partager, si je vous dis certaines choses pour vous frustrer, vous savez, je préfère vous frustrer pour votre bien que de vous caresser dans le sens du poil. Parce que ma préoccupation, c'est votre bien-être spirituel. Vous savez, que vous m'appréciez ou pas, je vous aime, point. S'arrête là. vous m'appréciez pas. Dieu m'aime et je vous aime. Et je préfère vous mettre dans l'embarras aujourd'hui plutôt que le jour que vous me verrez aussi, vous dites, Sam, tu le savais, tu ne m'as pas dit. J'aimerais vous poser une question tout simple. La base même de la chrétienté, une question qui est si simple. Est-ce que vous pouvez répondre à papa ce matin? Êtes-vous en train de jouir cette communion avec papa? Êtes-vous en train de jouir cette communion avec papa? En tant qu'enfant de Dieu, vous et moi avons l'incroyable, je dis bien, l'incroyable privilège à la fois de parler avec Dieu, premièrement, et deuxièmement, de l'écouter ce qu'il a à nous dire. Beaucoup d'entre nous, c'est pour ça qu'on est si frustrés dans notre vie de prière, parce que nous passons notre temps à parler, peu de temps à écouter. J'aimerais vous dire, si vous passez du temps avec moi, vous parlez, vous croyez que j'allais pouvoir passer une? Tout ce que je vais pouvoir faire, vous regardez, vous dites. Et la plupart du temps, c'est ce qui se passe avec Dieu. On bombarde le ciel, mon Dieu, mon Dieu. Et après, on dit, ok, 15 minutes fini, au revoir Père, demain, ciao! Mais tu sais, quand tu es dans une communion, quand tu es dans une intimité, quand tu es dans une relation, tu commences à comprendre ce qui plaît à la personne, ce qui ne plaît pas. Et tu commences à comprendre quand faire certaines choses, quand ne pas faire certaines choses. Surtout en mon épouse. Oh, chérie, je suis désolé. Quand elle dort, c'est des fois, moi je suis un peu somnambule, on va dire, entre guillemets. Faire un bisou dans la nuit, mais pourquoi tu me fais ça? Je dois dormir, laisse-moi dormir. Avec du temps, j'ai compris.
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je vous parle des choses si simples. Toi et moi, à vrai dire, c'est ce qui rend, Seigneur, donne-moi la phrase, c'est ce qui rend la chrétienté différente de toutes les autres religions. Les autres religions, c'est une bande de ce que tu dois, ce que tu ne dois pas. Mais la chrétienté, c'est une relation avec Dieu. C'est ce qui fait la différence. Quelqu'un dit relation. Donc, ce qui veut dire que toi et moi, on peut parler avec Dieu, mais non seulement parler avec Dieu, mais nous pouvons aussi l'écouter. Je vous donne du travail pour les vacances. Apprenez à l'écouter. J'ai découvert que 90% de mon temps de prière maintenant, c'est juste d'aller dans un temps, mettre un CD, ou sinon je me relaxe comme ça. Ça va? Ouais. C'est juste un cœur à cœur. Et je commence à lui dire, Père, tu sais, c'est chaud là, c'est tous ces soucis, machin et tout. Il me regarde et il me dit, ne t'inquiète pas. Et tu sais, quand cette parole est libérée, tu sens dans ton être, tout vibre. Tu sens comme si tu deviens, t'étais comme ça et puis d'un seul coup, bouf. Je me suis dit, toutes ces années-là, j'étais en train de perdre mon temps au lieu de profiter de cette communion que Dieu m'a donnée, tout simplement. Je rentre découragé, je sors encouragé. Je rentre déprimé, je sors avec la joie de Dieu. Je rentre avec mes liens, je sors libéré. C'est ça la présence de Dieu. J'aimerais juste vous lire un verset qui se trouve dans Genèse, le chapitre 3. Vous savez tous que le mot Genèse veut dire commencement. Et si nous voulons voir quelque chose de très important, il faut aller toujours dans les débuts. Et j'aime bien ce que les enseignants de la Bible nous disent, que tous les versets qui ont été mentionnés pour la première fois, lorsque tu tiens une conclusion dans ce sujet-là, ce verset sert de plateforme pour pouvoir interpréter tout ce qui va venir après. Ce qui veut dire que lorsque tu lis ce verset mentionné pour la première fois, c'est ce qui détient l'autorité de tous les autres versets. Et regardez ce que ce verset dit. Vous y êtes ? Genèse le chapitre 3, le verset 8 à 10. Alors ils entendirent la voix de Dieu. Quelqu'un dit, entendirent la voix de Dieu. Qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu ? Tu sais, si toi et moi, on aurait écrit ce verset, on aurait dit, qu'as-tu fait? T'as flingué le truc, quoi. Mais regarde ce que Dieu dit. Dieu lui dit, où es-tu? Vous croyez que Dieu ne savait pas où est-ce qu'il était? Et je me suis posé cette question. Pourquoi Dieu mit ce verset spécifique pour que toi et moi, on le lise? Tu sais, j'aimerais te dire ceci, en tant qu'être humain, je pense que ça va défier tous les enseignements qu'on a entendus parler sur la voix de Dieu. En tant qu'être humain, nous sommes qualifiés pour entendre la voix de Dieu. Je le refais ma phrase, je dis qu'en tant qu'être humain, l'être humain, l'espèce mâle et femelle, nous avons été qualifiés pour entendre la voix de Dieu. C'est pour cela que vous entendez maintenant aujourd'hui dans des pays lointains, vous entendez qu'ils étaient dans le désert, ils entendent la voix de Dieu. Ils étaient en train de lire le Coran, ils entendent la voix de Dieu. Ils étaient en train de dormir, ils entendent la voix de Dieu. Pourquoi cela? Parce que en tant qu'être humain, vous êtes qualifié pour entendre la voix de Dieu. Waouh, combien d'entre vous, vous êtes en train de réfléchir? Ah, je ne sais pas, le diable est en train de vous mentir, arrêtez de l'écouter. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut lire la parole, mais pas lire selon notre interprétation, mais laisse la parole s'interpréter elle-même. Ici, il a dit l'être humain, il n'a pas dit apôtre, il n'a pas dit prophète, il n'a pas dit évangéliste, il n'a pas dit pasteur ni docteur, il a dit l'être humain, il, l'homme et la femme, Adam et Ève, entendirent la voix de Dieu. Ce qui veut dire que toi et moi, la première chose qu'on doit comprendre, c'est que nous avons été conçus
pour entendre la voix de Dieu. Oh mon Dieu. Tu vois comment le diable maintenant est déstabilisé? Ce qui s'est passé, bon, j'ai des versets pour ça, mais une question de temps. Vous savez tous que suite à ce qu'on vient de lire, ils ont été virés du jardin. Et j'aimerais vous dire autre chose. Le jardin, ce n'était pas un lieu physique précisément. C'était plus un lieu qu'on désigne comme étant la présence de Dieu. C'est pour cela qu'ils cherchent ce lieu et ils ne trouvent pas. Bref, c'est une petite parenthèse. Et ce qui veut dire que lorsqu'ils ont été virés de la présence, lorsqu'ils ont été éloignés de la voie, la Bible dit que Dieu avait décidé un plan de restitution. Un plan de rédemption. Un plan de restauration. Ce qui veut dire que l'homme était en parfaite communion avec Dieu. Le péché les a séparés de Dieu, mais Jésus est venu restaurer cette communion. J'aimerais juste vous dire, Jésus est venu restaurer cette communion. Il n'a pas dit « Jésus, donne ta dîme », il n'a pas dit « Jésus, prie une heure par jour », il n'a pas dit « Jésus, jeûne 40 jours », il n'a pas dit « Non, il a dit que Jésus… » Je veux vous dire, trop d'entre nous passons à côté de la réalité de l'Évangile. Il n'a pas dit « Jésus, marche sur tes mains ». Il n'a pas dit « Jésus, tu te mets sur la tête ». Il a dit non simplement. La Bible dit que Jésus nous a réconciliés. Le mot « concilier » veut dire « rendre un ». Ce qui veut dire qu'avant nous étions séparés et Jésus nous est revenu nous remettre un avec papa. Gloire à Dieu. Ce qui dit maintenant, qu'est-ce qui t'empêche d'entendre sa voix? J'aimerais bien te le dire. C'est les mensonges du diable. Parce que depuis le jardin, ils entendaient la voix de Dieu. La Bible dit qu'ils parcouraient le jardin, ce qui veut dire qu'il faut croire que Dieu, à chaque fois, venait passer du bon temps avec sa création. Il venait discuter, qu'est-ce qu'il en est? As-tu fait? As-tu pas fait? Est-ce que ça va? La température te va ou je baisse le thermostat? Est-ce que le temps, ça te va? Est-ce que les animaux t'obéissent? Est-ce qu'ils font ce que tu leur dis de faire? Ils étaient en perpétuelle communion, discussion, parlement avec. Et maintenant qu'on a perdu cela, Jésus est venu nous restaurer cela. Et la religion nous fait croire que nous ne sommes pas qualifiés. J'aimerais vous dire, vous êtes plus que qualifiés, vous tous ceux et celles qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, qui ont converti, qui ont pris la décision de vivre une vie de soumission et qui ont abandonné leur vie pour vivre la vie de Dieu leur a donnée. Vous êtes qualifiés pour entendre la voix de Dieu. Il n'a pas dit Jésus, je le redis, il n'a pas dit Jésus, lis ta Bible tous les jours. Il n'a pas dit, bien que... En lisant sa parole, tu vas entendre sa voix parce que sa voix est sa parole. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est que trop d'entre nous, nous avons mis une bande de rituels, une bande de pratiques, au lieu de vivre la réalité de la chrétienté. C'est que toi et moi, déjà au premier abord, Dieu nous a créés pour pouvoir être susceptibles d'entendre sa voix. Deuxièmement, pour ce que l'ennemi nous a virés, a fait en sorte à saboter le plan de Dieu. Mais Jésus est venu restaurer le plan saboté à la base, qui était de communier avec Dieu. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a aucun diable, aucun démon qui peut t'empêcher de jouir cette communion avec Dieu. C'est ton droit, c'est ton passeport, c'est ton titre légal, c'est ton héritage et c'est à toi d'en profiter. Si tu n'en profites pas, tu ne peux pas en vouloir ton pasteur. Et ce n'est pas ton pasteur qui va donner ce temps-là. Allô? Pour moi, bien-aimé, deux raisons principales de l'existence de l'homme. Et c'est vrai que beaucoup de fois, quelles sont les raisons pour lesquelles je suis là? Pour moi, j'ai découvert pour moi deux raisons simples, mais principales pour moi. Premièrement, c'est de jouir cette parfaite communion avec Dieu. Je sais que vous me regardez, vous attendez que je vous donne quelque chose qui va commencer à... Non, j'aimerais vous dire, c'est la simplicité de l'Évangile. Et c'est tellement simple qu'on ne comprend pas. Premièrement, Dieu veut que toi et moi, on jouit de cette communion avec lui. Deuxièmement, exercer
exécuter le plan, le but et la volonté de Dieu sur la terre. Tout ça se trouve dans le livre de Genèse, une question de temps, je ne peux pas y aller. Mais lisez votre Bible proprement. C'était le but pour lequel Dieu était en train de lui dire, écoute, moi je serai Dieu là-bas dans le ciel, mais toi tu seras Dieu sur la terre, tu seras mon représentant. Tu seras celui qui va exercer, qui va exécuter, qui va faire mon plan, ma volonté et mon but sur la terre. En d'autres mots, tu seras mon ambassadeur, Adam et Ève. Ils pouvaient seulement exercer ce mandat d'ambassadeur aussi longtemps que cette communion était là. Une fois coupée, ils étaient privés et virés de leur fonction. Oh mon Dieu, mon Dieu. Mais Dieu merci que Jésus est venu nous restaurer cette communion avec notre Père. Et vous remarquerez bien que le numéro 2 dépend du numéro 1. Si tu ne jouis pas une communion perpétuelle et intime avec ton Père, tu ne pourras jamais exercer, exécuter le plan, le but et la volonté de Dieu sur la terre. Juste une parenthèse, je vous donne, allez à la maison, étudiez-le. C'est pour la raison pour laquelle vous voyez certains disciples, un moment dans leur parcours avec Jésus, ils ne pouvaient pas chasser certains démons, ils ont dû appeler Jésus pour le faire. Pourquoi ? Je vous laisse avec ça. Allez à la maison, demandez à Dieu, Dieu vous montrera. En tout cas, vous devriez profiter de cela. Cela est votre droit, cela est votre héritage. Ça, c'est un vrai héritage, n'est-ce pas ? Oui ? J'aimerais juste vous donner rapidement, avant de terminer, oui, j'arrive presque à la fin, j'espère, du moins. On a 2 heures, on n'a pas de cul l'après-midi, n'est-ce pas ? Oh, ça rigole moins maintenant. Oh, j'avais prévu d'aller voir Tantine. Les effets d'une communion interrompue. Qu'est-ce qui se passe lorsque un chrétien ou un croyant ou une croyante, d'une raison quelconque, écoutez, je ne suis pas là pour vous juger, vous avez à rendre des comptes à Dieu, je ne suis pas votre juge. Premièrement, c'est ne pas avoir sa présence dans notre vie. Rien que ça, bien aimé. Vous savez, j'ai découvert ces derniers temps, la dernière fois on avait fait une formation avec Pierre Sedoki, avec Philippe, avec toute l'équipe. Une des choses qui est sortie avec lui, il me dit « Sam, tu parles beaucoup, mais tu parles moins de Dieu. » Et ça, quand je suis rentré chez moi, croyez-moi, j'ai fait pause. J'ai pris ce qu'il m'a dit, j'ai fait pause. Et j'ai remarqué que j'étais tellement à l'aise dans ce que j'avais l'habitude et la capacité de faire que j'ai mis Dieu de côté. Premièrement, c'est ne pas avoir sa présence. Deuxièmement, ne pas avoir sa puissance. Troisièmement, c'est vivre une vie d'échec. Quatrièmement, c'est avoir un témoignage inefficace. Laissez-moi vous dire, le monde est en train de mourir. Laissez-moi vous dire, nous, l'Église, nous sommes assez authentiques et que nous enlevons le masque, nous disons la vérité. C'est que nous ne sommes pas en train de vivre notre chrétienté proprement. C'est la raison pour laquelle nous manquons d'influence dans ce monde. Comment voulez-vous influencer une vie de famille ? Nous-mêmes, nous sommes en train de divorcer. Comment voulez-vous d'impacter notre génération ? Nous sommes en train de forniquer, commettre l'adultère à gauche, à droite, mentir, tricher, compromettre. Et puis, nous voulons témoigner le monde. Vous voulez rire ? Ils savent que ce n'est pas vrai. Oh, bougez pas trop. Je sais, je vous ai dit, peut-être vous risquez de ne pas apprécier, mais je préfère vous frustrer pour votre bien. Combien de temps on va rester comme cela ? Combien de temps on va vivre une vie sans influence, sans impact, pas de changement, pas de transformation, pas d'influence ? Non, le monde devait courir vers nous, mais nous sommes en train de courir vers le monde. Quel est le problème ? Tout simplement que peut-être notre communion a été interrompue. Ne pas avoir l'autorité sur les forces du mal. Le fait de dormir, d'être terrorisé dans votre rêve, vous croyez que c'est normal en tant que chrétien ? Et vous venez tremblant dans le bureau pour demander au pasteur de prier pour vous ? Vous croyez que c'est normal ? C'est pas normal en tant que croyant. Dieu nous a donné, Luc 10, 19, il dit « Vous marchez sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Aucun démon n'est assez fort, aucune puissance des ténèbres n'est assez puissante que le nom de Jésus. » Le problème, c'est que, est-ce que nous avons le droit d'utiliser ce nom ?
Ne pas pouvoir exercer son autorité en tant qu'enfant de Dieu. Ne pas vivre les réalités d'une vie chrétienne. Il y a une chose qui est prêchée dans le pupitre, il y a autre chose qu'on vit. On n'arrive pas à mettre les deux ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Et nous commençons à être charnels. Vous croyez le fait de vous mettre en colère, de dire des gros mots, d'insulter les gens. Bougez pas trop, je sais que je ne parle pas de vous, je parle de moi. Je parle de moi, ok. On va pas chercher la guerre ici. Peace and love, ok. Temps mort. Temps mort ici. J'ai découvert que lorsque j'ai commencé à sortir des gros mots dans ma bouche, j'ai découvert une chose. Il y a une chose que j'avais abandonnée, c'était ma communion avec Dieu. Parce que quand j'ai restitué ma communion avec Dieu, tu sais, tu ne peux pas rester sale quand tu es dans la lumière, gloire à Dieu. Tu ne peux pas rester rempli de haine lorsque tu es en présence de l'amour. Tu ne peux pas rester dans la colère lorsque tu es rempli de la miséricorde. Tu ne peux pas. Et c'est pour cela que vous voyez que vous échouez. Vous croyez que c'est vous, c'est pas vous. C'est l'œuvre de Dieu au travers de vous par la puissance du Saint-Esprit avec l'aide de la parole de Dieu. Laissez Dieu vous changer. Arrêtez d'essayer de vous changer. Vous croyez que si vous et moi nous pouvons le faire, ils auraient envoyé son fils? J'aime bien ce que Bénigne a dit. Il dit la vie chrétienne est impossible sans le Saint-Esprit. Et c'est une réalité. Il faut que ça change. Être charnel. Oh, mais tu sais, il ne faut pas me taper sur le système. Ah bon? Vous savez, je vais vous dire, quand tout ce que je suis en train de vous parler, moi inclus, quand je parle à moi en premier. J'ai découvert, je dis, il faut que ça change. Je vais arrêter d'être un hypocrite. Je vais arrêter de me mentir à moi-même. Il faut que ça change. Il faut que je sois un croyant authentique. Il faut que je sois un croyant réel. Oh mon Dieu, je ne sais pas pour vous, mais... Ah. Vous savez, je ne vais pas attendre le jeûne de Daniel pour que ça change. J'ai déjà commencé à faire les changements, gloire à Dieu. J'ai déjà commencé à faire tout ce que je dis, ça doit changer. Même des fois, vous savez, je m'entendais dire certaines choses sur certaines personnes. J'avais raison ce que je dis. Et là, le Saint-Esprit me dit, t'as fini? Tu as pris plaisir? Sache-le que moi, je n'ai pas pris plaisir dans ce que tu as dit. Oh. Parce qu'il dit, aucune mauvaise parole ne sort de votre bouche. Que tout ce qui sort de votre bouche soit, c'est à l'édification. Et qui communique une grâce. Alors Sam, est-ce que ça a communiqué une grâce? Un venin certainement, mais pas une grâce, Seigneur. Ça doit changer dans l'Église, bien-aimé. Ça doit changer. Combien de temps on va se laisser influencer par les forces du mal? Combien de temps vous croyez qu'on sait qui vous a mis en colère, vous croyez que c'est, ça sort quelque part? Oh, je viens sur un terrain dangereux. Je dis ça sort quelque part. Selon vous, qui vous a inspiré? N'êtes-vous pas surpris que Jésus, est, avec le disciple, il dit « Satan, rien de moi !» Tu veux dire que Jésus, c'est ton disciple? C'est le gars qui vient te dire la révélation qui vient du ciel. Oui, et alors? Ce qui veut dire que quand bien même on joue le croyant le dimanche, on peut se laisser influencer par les forces du mal. Hello? Allô? Alors maintenant, la prochaine fois qu'il t'arrive quelque chose, que tu sens le bouton de la chair est mis en marche, réfléchis, qui m'inspire? Maintenant, je fais une chose, quand je ne tiens pas, je sors de la maison. Je cours. Je chablabla, je prie en langue, je me calme et je reviens. On va discuter maintenant. Du moins, j'essaye. Si je trouve que je ne vais pas retenir, je dis rien. On me dit, mais t'es muet. Je préfère être muet que sortir le venin. Je dis, je préfère d'être muet que sortir le venin. Est-ce que vous croyez que c'est des choses qui doivent être prêchées dans l'Église? Vous voulez changer le monde? On va changer le monde. Nous devons commencer à vivre une vie de crucifixion pour notre chair. En d'autres mots, nous devons mettre notre chair au régime. Allô? Je dis mettre notre chair. Et je vous ai dit, par rapport à ça, vous l'inversez, que le fait d'avoir une vie de communion, vous avez toutes les réponses quand vous vivez. Mais j'aimerais vous partager la stratégie de l'ennemi. Et pendant que j'étais en train de me préparer
J'entendais l'urgence que le Seigneur me disait, les stratégies de l'ennemi. Quelqu'un dit les stratégies de l'ennemi. Vous savez que le diable n'a pas changé depuis. Quand je parle depuis, je parle de ce verset qu'on vient de lire dans Genèse. Depuis, quand je dis depuis, il faut toujours aller à l'origine, dans le jardin. Depuis, le diable n'a pas changé. Son but est de saboter votre intimité avec Dieu. Il sait qu'en faisant ainsi, il sabotera le plan de Dieu ici-bas. Parce qu'il sait qu'un croyant et une croyante qui a une communion interrompue, il ne peut pas exécuter la volonté de Dieu sur la terre. Donc son objectif, de faire quoi ? Ce n'est pas si compliqué que ça. Son objectif, c'est de couper de la source. Vous savez, ces lumières qui sont là, elles sont jolies, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? C'est beau, n'est-ce pas ? Il y a une chose qu'on peut faire, on l'arrache de la source et... Quand bien même toute cette capacité, toute cette performance que ces lumières pourront nous donner, on n'aura rien et on ne profitera de rien. Pourquoi ? Parce que la lumière n'est pas connectée à la source. J'aimerais vous dire combien d'entre vous, vous êtes déconnectés à votre source ce matin ? Ne pas oublier que l'ennemi est subtil et il se déguise en ange de lumière. Il va te faire croire que c'est une suggestion quelconque. Non, ce n'est pas une simple suggestion. C'est juste la tactique du diable qui veut saboter le plan de Dieu dans ta vie. Allô ? 1 Corinthiens 10, 11 nous dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. » Ce qui veut dire, laissez-moi vous dire, tu sais, des fois on a tendance, la dernière fois j'avais prêché dessus pour la Pentecôte, vous savez, l'Ancien Testament n'est pas en conflit avec le Nouveau Testament. Le nouveau est la complémentarité de l'ancien. L'ancien est l'ombre du nouveau, les choses à venir. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ce qui veut dire que maintenant l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, le chapitre 10, verset 11, il nous dit, écoute, quand tu lis une histoire dans l'Ancien Testament, ça peut te servir d'instruction. Ce qui veut dire, Sam, fais une pause. Allô ? Vous souvenez-vous de cette situation ? Exode le chapitre 5, le verset 1, je vais rapidement vous le dire. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au-dessus du désert une fête en mon honneur. » C'était ça l'objectif de Moïse. Vous savez, trop de fois aussi, on a prêché dessus. « Oh, Dieu veut te faire sortir de l'Égypte pour t'amener dans ta terre qui coule de lait et de miel. » C'est faux. C'est pas ce que Moïse a dit. Lisez votre Bible. Ne laissez pas Hollywood constituer votre théologie. Je dis, ne laissez pas Hollywood constituer votre théologie. Parce que entre le départ et l'arrivée à la terre promise, il y avait une autre combinaison, c'était de rencontrer Dieu. C'était de restituer l'homme depuis dans sa communion. Oh mon Dieu. Il dit « Laisse aller mon peuple pour célébrer au désert une fête en mon honneur. » Et ensuite, le verset 4 à 8 du même chapitre 5 de livre d'Exode, « Et le roi d'Égypte leur dit, « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage ?» Et si vous continuez à lire, vous allez voir que Moïse était là, bouche bée, en écoutant Pharaon. Pharaon qui lui dit « Écoute, tu veux faire celui qui vient de Dieu ? Ok, je vais voir. Combien de temps ça va durer ?» Ok, ils doivent donner la même quantité de paille, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas nous qui vont leur donner de la paille, vous l'allez chercher vous-même de la paille et vous fabriquez autant de briques qu'on vous demande de faire. Est-ce que vous voyez quelque chose de subtil dedans ? Dès que vous commencez à vous sortir de l'emprise pour commencer à adorer Dieu, à servir Dieu, les problèmes se compliquent. Non, il n'y a que moi qui ai vécu ça ? Je veux dire, tu ne pries pas pendant un an. L'année prochaine, tu commences à décider à prier. Tu finis de prier, tu passes une heure dans la présence de Dieu, tu sors, t'as un accident. La première pensée qui te prend, mais pendant un an, je n'ai pas prié, je n'ai pas eu d'accident. J'ai prié une heure, un accident, vaut mieux pas prier. C'est vrai ou faux ? Soyons sincères. J'ai dit, on enlève le masque aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'on oublie. C'est qu'on essaie de sortir de l'emprise. Et lui, il n'aime pas ça. Il sait que quand tu sors, il te perd. Et c'est pour ça qu'il commence à te causer des troubles. Je n'avais pas compris, mais j'ai compris.
Est-ce que vous voyez qu'au XXIe siècle, nous sommes surchargés de travail? Je vais refaire ma phrase. Est-ce que vous avez remarqué qu'au XXIe siècle, nous sommes surchargés de travail? Et même moi, je dois avoir de travail. Est-ce que vous savez que ce n'est pas normal? Je dis, est-ce que vous savez que ce n'est pas normal? C'est juste une... Je ne suis pas en train de dire qu'il faut quitter votre travail. Non, si vous... La Bible dit, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas, ok? Soyons clairs. Non. On ne sait pas comment on nous entend ici. On pourrait clarifier ces choses. Pasteur a dit, arrête de travailler. Je vais prier tous les jours. Non, 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 non. C'est pas ce que j'ai dit. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'à quel point qu'on se fait piéger pour que l'ennemi nous empêche de profiter de cette communion avec Dieu. Est-ce que tu as vu ça? Il n'a pas changé sa tactique. Depuis le jardin, il est revenu encore avec Pharaon. Et tu crois qu'il a fini? Lisez dans le livre de Matthieu, avec Jésus aussi, tu crois qu'il avait fini? Non, il est revenu encore. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas changé, l'ennemi. Il voulait saboter le plan de Dieu en coupant Jésus de sa communion avec papa. Et c'est ce qu'il veut faire avec croyants. Il sait que s'il te coupe... Maintenant, je vais prononcer un mot spirituel, d'accord? J'aimerais que vous changez ce mot dans votre pensée maintenant, vos pensées communion. Le mot prière. La première définition de la prière, c'est une communion et une intimité. Je dis la première définition de la prière, c'est une communion. Et pourquoi croyez-vous que votre vie de prière est si attaquée? Pourquoi croyez-vous quand vous décidez de venir intercéder le jeudi, vous avez tous les problèmes qui se lèvent? Pourquoi croyez-vous cela? Pendant toute la semaine, rien ne se passait. Juste le jeudi, quand on va venir prier, il y a quelque chose qui se passe. Et nous, on pense que c'est normal. Non, il faut se lever et ordonner ces choses, d'arrêter de nous stopper. D'arrêter de profiter de la présence de Dieu. Amen. Vous voyez bien l'exemple de nos prédécesseurs. Je vais aller rapidement pour terminer. L'exemple de nos prédécesseurs. Nous avons ceux qui sont dans la Bible, ceux qui ont vécu avant nous, ou même ceux qui vivent à notre époque. Combien de gens, vous croyez, qui ont impacté le monde, qui ont impacté des villes, qui ont impacté même des pays, qui ont impacté même des nations? Un monsieur tel que Reinhard Bonnke, je veux dire qu'il prêche pendant des milliers de conversions qui se passent. Vous croyez que c'est lui? Il sait. Il le sait parce qu'il n'arrête pas de le dire. Jésus est la source. Amen. Mais il y a une chose que ces gens-là avaient. Ils avaient cette communion perpétuelle. J'aimerais vous dire, vous voulez devenir un croyant et une croyante efficace et aiguisée. Commencez à pratiquer cette communion avec votre papa. Je ne parle pas de pratiquer votre obligation religieuse. Je refais ma phrase. Parce que tout d'entre nous, on dit, oh, je me lève le matin, blablabla, je prie, blablabla, ok, Seigneur, j'ai accumulé mon point aujourd'hui, mon crédit est cumulé, j'ai pratiqué ce que je dois faire et je vais faire ce que je dois faire. Ne me regardez pas, je l'ai fait, c'est pour ça que je sais. Vous me demandez comment tu le sais, je l'ai fait. J'ai eu mes 2 points aujourd'hui, ok, je vais bosser maintenant, Seigneur. C'est pas ça ce que Dieu veut. C'est une communion qui parle d'une passion, une relation d'intimité et d'amour. Comment d'entre nous ne sommes plus amoureux du Seigneur? Wow. Répondez à votre Dieu. Vous pouvez lire tous les manuels, les livres que vous pouvez. Vous pouvez même recevoir des enseignements comme vous êtes en train de recevoir sur la communion qui est la prière. À moins que vous commenciez à la pratiquer, vous comprendrez jamais les bénéfices de celle-ci. Vous savez, cette communion est comme faire du vélo et apprendre à nager. Vous pouvez seulement apprendre par le biais de la pratique. Votre communion avec Dieu, c'est comme faire du vélo. Vous ne pouvez pas regarder le vélo et dire, ouais, je vais faire du vélo. Ok, je vais faire du vélo. Non, il faut monter. Oh, j'aime bien mon fils, le premier jour que je l'ai laissé. J'ai fait pareil comme on m'a fait quand j'étais sur le terrain de foot. J'ai dit, t'inquiète pas, papa te tient, papa te tient. J'étais pas en train de le mentir parce que je le tenais, ok? Attention. Et je me suis mis derrière lui, donc il croyait que j'étais derrière. Je l'ai lâché, il était loin là-bas. Et tout le deux, ah, boum! Papa, tu m'as lâché! Depuis ce jour, il avait fallu qu'une fois, il est monté. Et votre communion avec Dieu, c'est ainsi. Vous ne saurez jamais ce que c'est tant que vous ne la pratiquez pas. Alors j'aimerais vous encourager pendant ce temps estival, commencez à pratiquer. N'essayez pas de prier 1 heure, commencez par 10 minutes. Allô?
Je dis, commence par 10 minutes. Autre chose qu'on fait des fois, on cumule des points pour le lendemain. Tu sais, on dit, Seigneur, aujourd'hui j'ai eu le temps de prier 2 heures, donc demain, je... ne me regardez pas, je l'ai fait, c'est pour ça que je sais de quoi je parle. Je ne parle pas quelque chose que je ne connais pas, je l'ai pratiqué. J'ai prié 2 heures aujourd'hui, demain c'est pas grave, si je n'ai pas le temps, j'ai cumulé. Est-ce que vous savez que quand Dieu a dit au peuple de prendre la manne, il leur a dit de prendre la manne, il y en a qui ont été gourmands, ils ont gardé plus. Le lendemain c'était pourri, pourquoi? Jésus a dit, chaque jour suffit ça, chaque jour suffit ça. Ce qui veut dire que tu dois le faire chaque jour de ta vie. Amen. Je vais vous donner une citation de Martin Luther. Il dit, de même que l'affaire du tailleur, c'est de faire les vêtements, et même celle du cordonnier est de réparer les chaussures, ainsi l'affaire du chrétien, c'est de prier. Le secret de sa vie révolutionnaire, Martin Luther, était son engagement à passer du temps seul avec Dieu chaque jour. Quelqu'un dit chaque jour? Chaque jour. C'est pour ça, vous voyez que nous, chrétiens, maintenant, on est obsédés, on est terrorisés par la dépression, par l'inquiétude, par la peur, par la crainte, par les choses impures, par des choses immorales. Pourquoi cela? Parce qu'on était coupés de notre source. Et je déclare qu'au nom de Jésus, que nous, famille du bon berger, notre communion va être restituée. On va recommencer à pratiquer sa présence chaque jour de notre vie. On va s'élever en tant qu'une famille remplie de feu, remplie de sa présence, remplie de passion de Dieu. Et on va révolutionner notre monde dans le nom de Jésus. Il est essentiel, bien-aimé, de mettre du temps chaque jour, à un moment précis. Efforcez-vous d'avoir l'ordre et la fidélité, mais évitez le légalisme. Mais efforcez-vous de le faire. Peut-être vous avez aussi un moment différent. Vous dites, moi je ne peux pas prier le matin. Mais peu importe, soyez cohérent avec vous-même. Décidez ce que vous voulez faire. Dans ce temps-là, j'aimerais vous donner juste quelques guides. Choisissez un lieu précis, premièrement. Quelqu'un dit un lieu précis. Deuxièmement, déterminez le temps que vous allez passer. Quelqu'un dit le temps que vous allez passer. Troisièmement, décidez ce que vous allez faire dans ce temps. Quelqu'un dit, décide ce que je vais faire. Tu sais pourquoi je te dis ça? Je l'ai fait moi aussi. Je me suis dit, ok, je vais prier aujourd'hui. Je ne décide pas, je viens au moment où je rentre dans la prière. Oh, Facebook. Oh, quelqu'un a aimé mon... Oh, merci beaucoup. J'ai juste saboté mon temps. Fermez votre portable, allez dans un lieu tranquille. Déterminez ce que vous allez faire. Est-ce que ce sera un temps juste communier, un temps d'intercession, un temps d'étude, un temps de lecture, un temps d'écoute de la parole? Peu importe. Le plus important, ce que vous la pratiquez. Oh, hallelujah. Quelqu'un dit hallelujah. Écoutez, D.L. Moody a dit, nous devrions voir la face de Dieu chaque matin avant de voir celle des hommes. Waouh! Je parle d'un évangéliste qui a secoué des villes. Oh, j'aimerais que toi et moi, on prenne cette pratique. Que nous n'avons plus besoin d'avoir nos pasteurs qui nous motivent, mais c'est, nous allons venir ici déjà chargés, remplis, regalvanisés, prêts à dégainer. Et lorsque le dimanche, nous serons là pour le prochain culte, gloire, le diable aura le choc de sa vie parce que nous reviendrons chargés, prêts à dégainer. Gloire à Dieu. Parce que nous sommes chargés de sa présence. Chargés. Je ne dis pas que j'arrête de terminer. Si vous trouvez que vous êtes trop occupé, peut-être que vous devriez poser des questions. Il y en a certaines choses, peut-être Dieu ne vous a pas donné de faire. Et peut-être qu'il y a des choses qui ont pris la place de Dieu dans ce temps-là. Mettez de l'ordre. Quelqu'un dit l'ordre. Ajustement. Et analyse. Vous devez analyser, faites la pause, analysez. Ce n'est pas un mot de vous dire, c'est à vous de chercher. Vous ne pouvez pas être trop occupé pour prier, mais vous avez le temps d'aller travailler, vous avez le temps de regarder vos feuilletons à la télé, vous avez le temps de lire le journal, vous avez le temps de faire tout ça, sauf prier. Vous croyez que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Si vous ne le faites pas, commencez aujourd'hui. Si vous le faites, continuez dans une bonne attitude. Si vous avez arrêté, je vous encourage vivement, recommencez. Recommencez, quelqu'un dit, recommencez. Et je vais terminer, quelqu'un dit, ouf, il termine. Vous pouvez le dire, ouf, il termine. 5 pires ennemis que j'ai découverts à ma vie de prière. Vous allez rire. 5 pires ennemis qui m'empêchent de prier.
premièrement un temps de victoire. Tu sais, quand j'ai une victoire, waouh, j'ai l'impression de vivre le ciel sur la terre, gloire à Dieu, je suis wouh, wouh, wouh. Et je dis, ouais, demain, pas besoin de prier, oh, j'ai eu ma victoire. Un jour, deux jours, trois jours, je suis le seul à avoir vécu ça. Quatre jours, une semaine, un mois, ça fait trois mois que je ne prie pas. Oh Seigneur, victoire, wouh, chabalabalabala. Premier ennemi de ma vie de prière, un temps de victoire. Deuxièmement, un temps de fatigue. Même que tu es fatigué, je t'encourage, va dormir dans sa présence. Je dis, je t'encourage à le faire. Un temps d'attaque. Je ne le sens pas. Boubou partout. Ce sont les pires ennemis de votre vie de prière. Manque de temps. Organisez-vous. Structurez-vous. Pourquoi croyez-vous que les agendas ont été inventés? Pour que vous viviez une vie structurée et planifiée. Et dans votre planning, votre communion doit être top priorité. Les pensées baladeuses, prenez l'autorité sur ces pensées, ordonnez-les de se calmer. Je dis, vieux fou, tu te calmes? Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais prier là, c'est quoi ça? Oui, vous avez l'autorité, bien-aimé. Vous, vous attendez que les pensées vont s'ordonner tout seul, vous croyez ça? L'autre, il va vous regarder, boum, 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 boum. Ah, tu te rappelles, il t'a invité pour demain. Ah, tu te rappelles, tu dois répondre à son mail. Je suis le seul, vivre ça quand je prie. Vous devez commencer à vous lever, de dire, écoute, pensez, j'ai décidé de prier maintenant. Tu vas te calmer et tu vas te structurer et je vais prier maintenant. Deuxièmement, le bruit. Si vous voyez qu'il y a trop de bruit, sortez de chez vous, allez dans un jardin quelque part. Moi, j'ai un grand lac, mon Dieu de Jésus. Il n'y a que des canards qui coin, 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 mais sinon, il n'y a pas. C'est à vous d'ordonner cela. J'espère que tout ce que je vous ai dit, ça vous a provoqué à vouloir courir dans sa présence. J'espère que tout ce que je vous ai dit ce matin, ça vous a provoqué de retourner dans les bras de papa. J'aimerais que nous levons tous avant de terminer. Et bien sûr, si votre bébé dort, ne vous dérangez pas, mais le plus important, c'est que je vais vous demander de prier. Écoutez, regardez-moi tous. Je vais vous demander de prier. Je ne vais pas vous conduire à prier. Si vous savez que vous êtes ceux et celles qui est concerné, que vous devez recommencer votre communion avec Dieu, vous devez vous lever. Quelqu'un dit, je me lève. Désolé d'avoir pris autant de temps. Vous savez, si vous me laissez parler, vous savez tous que je suis un passionné quand je parle. Je veux que tu fasses ta prière, que tu parles à papa et que tu lui dises ce que tu veux. Vous savez quoi? Dimanche dernier, j'étais vraiment béni. J'étais vraiment béni dimanche dernier, Sylvie. Tu sais, j'ai rencontré une sœur dans l'église où j'ai prêché. Elle allait à l'église de Samuel Peterschmidt. Elle m'a dit, tu ne peux pas savoir comment ça m'a rafraîchi. Elle avait les larmes qui coulaient de ses joues. Et là, je la regardais, je dis, Seigneur, elle est plus un témoignage pour moi que moi je suis pour elle. J'aimerais bien être à son âge, être à l'église, être sur le feu pour Dieu. Et là, elle me dit, tu ne peux pas savoir comment ça m'a rafraîchi. Et là, je suis content, je dis, papa, je t'ai obéi. Laissez-moi vous dire, quand vous rentrez dans cette communion avec Dieu, votre vie changera, votre comportement changera, votre langage changera, toute l'atmosphère autour de vous change. Parce que vous passez dans ce temps d'intimité, merci, ce temps de communion avec papa. Tu sais, il y a tellement de choses que le Saint-Esprit me dit, je dois vous le dire. Même des fois, j'étais un peu gourmand sur l'affection de mon épouse. Vous savez pourquoi? Parce que je n'étais pas satisfait. Je devais compenser ce manque sur elle. Mais en fin de compte, ce n'était pas elle qui ne me donnait pas assez d'affection. C'était qu'il y avait ce manque d'affection de Dieu en moi. Je vais te dire, lorsque j'ai recréé... Oh, ma chacal, j'ai reconstitué cette affection de Dieu. J'ai découvert, waouh, je suis satisfait. Je suis accompli. Je suis entier. Quand dans sa présence, il y a la paix. Il y a la joie, il y a la guérison, il y a la restauration.
parce qu'il me fait tellement de bien. Et là, je me retourne 20 ans en arrière. Lorsque j'étais au bord du précipice, je voulais commettre un suicide. Il est rentré dans ma vie. Il m'a restauré. Il m'a guéri de mon cœur brisé. Et il m'a redonné goût à la vie. Et là, je dis, Seigneur, rien n'est comparable à ta présence. Rien. Nul n'est comparable à toi, mon Dieu. Rien, ni tout l'or du monde n'est pas comparable. Le bien-être qui peut nous faire, bien-aimés, venez, venez et profitez de cette communion, profitez de cette présence, profitez de ce bien-être qu'il peut vous donner. Ne laissez pas la vie profiter de vous, mais prenez sa présence et profitez de la vie. Laissez la confusion fuir dans sa présence. Laissez toutes les mauvaises habitudes fuir dans sa présence. Sa présence. Père, j'ai fait ce que tu m'as dit, Père. J'ai fait de mon mieux possible. Cet esprit agit. Touche, libère, restaure. Détruis toute barrière, tout obstacle. Et souffle ce matin. Esprit de Dieu, souffle ce matin. Souffle. Un vent nouveau. Un vent rafraîchissant. Un vent frais de ta présence. Nous allons clôturer ce temps dans un temps d'adoration. S'il vous plaît, ne regardez pas la montre. Je sais que nous avons peut-être dépassé peut-être de quelques minutes. Mais je peux vous dire, ces quelques minutes peuvent faire la différence dans votre vie. Ne quittez pas ce lieu sans avoir restauré, sans avoir retourné dans sa présence. Et revenez dans cette communion qu'il vous donne. Cela est gratuit. Cela est gratuit. Si tu es ici, peut-être tu dis, mais Samuel, je ne suis pas sauvé, comment puis-je profiter de cela? J'aimerais juste que tu te tournes vers un responsable. Si tu es dans ce lieu, tu n'es pas sauvé. Viens voir la famille Kikejo, ceux à ma droite, le couple qui est juste derrière Catherine, ils prieront pour toi. Et tu vas pouvoir profiter de cette communion. L'église, ce n'est plus le temps de jouer. Ce n'est plus le temps de faire semblant. C'est le moment de nous lever. C'est le moment de reconquérir cette présence que nous avons tant aimée et que nous avons perdue. Et que maintenant, lorsque nous allons ressortir pour aller dans le monde, nous avons même eu besoin d'ouvrir notre bouche parce que sa présence va saturer l'atmosphère. Dans sa présence, il y a la paix. Dans sa présence, il y a la joie. Dans sa présence, il y a la guérison. Que Dieu vous bénisse.